Bonjour, chers auditeurs et auditrices. Bonjour, mes bien-aimés frères et sœurs en Christ. Nous voilà de retour sur notre chaîne préférée. Hein. Partage de la parole. Partage de la parole. Et aujourd'hui, le thème que nous allons aborder, c'est la loi et la grâce. Et la grâce. Voilà. Bonjour, Eric. Bonjour, Karine. Voilà, donc... D'emblée, j'aurais une question à te poser. Et la question est, as-tu déjà entendu ce slogan, on va dire, évangélique, qui dit « Le pécheur, Dieu aime le pécheur, mais hait le péché. » Alors, quel est ton point de vue par rapport à ce slogan-là? Est-ce que Dieu aime le pécheur? Et qu'est-ce que c'est qu'un pécheur? Oula, c'est un grand sujet, c'est un grand thème. Hein, c'est le thème de l'humanité entière, parce que... La chute. La chute depuis Adam et Ève, dans le jardin d'Éden, toute l'humanité entière est déchue de la grâce. Et donc, pourquoi? Parce qu'elle a péché. Donc c'est ça, en fait. Et maintenant, ce qu'il y a, c'est qu'on a tendance à beaucoup parler de la grâce... En pensant que même si on pêche, on est sous la grâce, c'est pas grave. Tout à fait. Voilà, ça c'est actuellement dans beaucoup d'églises, on a cette tendance à croire qu'une fois qu'on est sauvé, qu'on est sous la grâce, et ben même si on pêche, on est sauvé quand même. Et ben ça c'est faux. Pour moi, c'est un faux évangile qui est prêché parce que ça enlève la crainte. Hein, les personnes, les chrétiens, les hommes et les femmes n'ont plus la crainte de Dieu. Je ne vais pas dire peur, on ne doit pas avoir peur de Dieu. Dieu n'est pas là pour nous faire peur, dans le sens peur, traumatisme, vraiment que c'est un tyran qui veut nous mettre sous sa domination et qu'on a rien à dire, qu'on est complètement assujetti à un Dieu méchant. Ce n'est pas du tout ça. Ça, c'est une mauvaise image de Dieu. Mais à la base, Dieu est quand même Dieu, il est saint, et nous devons quand même avoir la crainte. C'est un peu comme, j'allais dire, les parents, quand on a des enfants, bon, les enfants, ils doivent apprendre à respecter leurs parents, les parents, le père et la mère, donc ils doivent avoir une certaine crainte quand même de cette autorité qu'on a exercée sur nos enfants pour qu'ils marchent sur le bon chemin et qu'ils obéissent. Oui. Donc nous, c'est pareil, nous devons... obéir à un Dieu qui nous aime, et c'est pourquoi nous devons aussi le craindre, parce que si nous désobéissons, forcément, d'après la loi, il est dit que celui qui transgresse les lois, il mérite une punition, un châtiment. Tout à fait. Il mérite la mort, Bien. Et voilà. C'est ce que nous voyons effectivement chez Adam et Ève, lorsqu'ils ont péché. Oui. Ils ont été tout simplement retirés du jardin. Exactement. Donc ça prouve effectivement que Dieu n'aime pas le pécheur. Parce que s'il avait aimé le pécheur, il serait resté au paradis. Tout à fait. C'est-à-dire Dieu aurait pu dire « Oh, c'est pas grave, je vous aime ». Mais Dieu n'est pas sentimentaliste. Tout à fait. Voilà. On confond souvent l'amour de Dieu avec l'amour humain. Complètement. Qui n'a rien à voir. Hein, l'amour humain, il est faible, fragile et sentimentaliste, il est charnel, ça n'a rien à voir. Et on a tendance parfois à mélanger les choses et croire que Dieu, il est comme nous, alors qu'il n'est pas du tout créé à notre image, mais plutôt nous, à l'inverse, créé à son image. Et donc, on confond tout, il y a une confusion, c'est bien incroyable. Sûr, et on ramène Dieu à notre niveau, alors que Dieu est Dieu, il reste toujours Dieu, malgré tout. Hein. Voilà. Et il n'est pas sentimentaliste. Non. Voilà. Donc, alors s'il n'est pas sentimentaliste, on va essayer de changer, de modifier cette phrase. Hein, et c'est une demi-phrase en fait. Donc on pourrait plutôt l'entendre de cette manière-là. Dieu aime le pécheur qui se repent de ses péchés. Tout à fait. Hein, et il haït le péché. Il hait le péché, pardon, autant pour moi. Donc, ok. Donc, ce qui veut dire qu'à la base, Dieu est tellement saint qu'il est lumière. Et le péché, c'est les ténèbres. Donc, Dieu ne peut pas, la lumière ne peut pas cohabiter avec les ténèbres. Tout à fait. Il ne peut pas se mélanger. Il n'y a pas de mélange possible. Il n'y a pas de compromission possible. On ne peut pas dire je suis avec Dieu, mais je vis encore dans le péché, donc je me compromets.
Ça, c'est pas possible. On peut pas dire qu'on est avec Dieu, on a une communion avec Dieu alors qu'on vit dans le péché. Complètement. Hein? Il n'y a rien de commun entre les ténèbres et la lumière. C'est vraiment deux opposés. Hein. C'est... Voilà. Ok, très très bien. Maintenant, alors tu parles effectivement d'obéissance. Donc l'obéissance, obéir à quoi? En fait, ce qu'il faut faire, c'est obéir à la loi de Dieu. Tout à fait. Voilà, et la loi de Dieu, oui, la loi de Dieu, elle a été accomplie par Jésus-Christ lui-même. Et ça, nous pouvons le voir dans Matthieu 5, au verset 17. Je vais faire la lecture. Matthieu 5. Je laisse faire la lecture. Oui. Matthieu 5, verset 17. Nous lisons. Ne pensez pas que je sois, que je suis... Excusez-moi. Ne pensez pas que je sois venu pour supprimer, abolir la loi de Moïse et l'enseignement des prophètes. Je ne suis pas venu pour les supprimer, mais pour leur donner leur véritable sens. Voilà, donc en fait, effectivement, Dieu nous a donné le vrai sens, en fait, de ce qu'est, en fait, le péché. Hein, par rapport à la loi qui est effectivement devenue une grâce en Jésus-Christ. Nous allons développer ça tout à l'heure. Ce qu'on peut dire, c'est que la loi met en évidence le péché. Le péché. Hein, montre oui. bien que l'homme est pécheur. Il n'a pas pu accomplir la loi, il a transgressé les lois. Tous, on les a tous transgressés. Parce que d'ailleurs, il est dit dans la parole qu'il n'y a pas un seul juste sur la terre. Bon, ouais. Même le plus juste d'entre les justes n'est pas juste. Donc nous sommes tous perdus. Voilà. On a tous transgressé les lois, on n'a pas pu les accomplir. Et c'est pourquoi Jésus-Christ est venu pour nous sauver, justement, de la malédiction de la loi. Et il s'est fait malédiction lui-même et il a pris tous nos péchés sur lui, dans le sens que lui a accompli l'œuvre. Amen. Donc ouais. lui, il a accompli la loi pour nous. Tout à fait. Parce qu'il n'a commis aucun péché. Oui. Aucun. Et c'est ça, grâce à cette... c'est ça la grâce. Ça, la grâce, justement, c'est qu'il nous a fait grâce. Il a donné sa vie pour nous. Mmh. Hein, il s'est sacrifié pour nous. Il s'est donné en rançon pour nos péchés. Tout à fait. Voilà. Alors, ce qu'il faut retenir, effectivement, c'est que quand on parle de loi, il y a deux sortes de lois. Il y a donc la première loi qui est donc la loi mosaïque, donc la loi de Moïse, effectivement, c'est une loi cérémonielle. Et c'est effectivement à ce moment-là, effectivement, où on célébrait, où on pratiquait en fait tous les rites dans le tabernacle, tous les sacrifices, etc., dans le tabernacle, plus tard, dans le temple. Hein. Voilà. Et nous avons également donc une autre sorte de loi, ce qu'on appelle donc la loi morale, en fait. C'est la loi qui fait partie donc, des 10 commandements. Mmh. Voilà. Et c'est cette loi, en fait, les 10 commandements, hein, que Jésus parle, ou les apôtres, hein, qu'il faille effectivement mettre en pratique cette loi. Cette loi, donc les 10 commandements, qui est une loi morale. Mmh. Hein. Mmh. Il y a plus de 600 lois cérémonielles, hein, qui ne sont plus aujourd'hui d'usage, hein, parce que le sacrifice a été accompli par Jésus-Christ de Nazareth, par le sang de Dieu, et non pas par un sacrifice animal. Voilà, donc ça, il faut retenir. Donc ça, c'est très très important. Voilà. Oui, pourquoi? Parce que l'animal, le sacrifice d'un animal n'est pas parfait dans ce sens-là, parce que c'est un animal. Amen. Alors que là, Jésus-Christ, en tant qu'homme, mais en tant que fils de Dieu aussi, il a donné son sang, hein, son sang parfait, pur, sans tache ni péché. Donc là, c'est vraiment une œuvre parfaite, quoi, qu'il a accomplie à travers lui. On va prendre Matthieu, chapitre 19, verset 16. Matthieu, on va beaucoup se promener... Hein, dans la parole de Dieu, dans la Bible, parce que la réponse à toute question, vraiment dans la Bible, qui est donc non pas une recette de cuisine, mais vraiment le livre de Dieu. Mmh. On verra ça tout à l'heure. Un homme s'approcha de Jésus, alors Matthieu 19, verset 16. Un homme s'approcha de Jésus et lui demanda: Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Jésus lui dit: Pourquoi m'interroges-tu au sujet de ce qui est bon? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, donc obtenir la vie éternelle, obéis au commandement. Voilà. Obéis au commandement. Voilà, donc ici, Christ nous demande d'obéir au commandement. Donc ça, c'est déjà une chose très, très importante.
Maintenant, on va dans 1 Corinthiens 7, 19. 1 Corinthiens 7, verset 19. 1 Corinthiens 7, verset 19. Voilà. Être circoncis ou ne pas l'être n'a pas d'importance. Ce qui importe, c'est d'obéir au commandement de Dieu. Voilà, c'est clair. Là, c'est Paul qui parle. C'est plus Jésus, c'est Paul qui parle. Hein? Bien. Maintenant, on va aller encore en Romains, chapitre 2. Romains, chapitre 2, verset 12. Voilà. Tous ceux qui pêchent sans connaître la loi de Moïse périront sans cette loi. Mais tous ceux qui pêchent en connaissant la loi seront jugés au moyen de cette loi. Car les hommes agréables à Dieu ne sont pas ceux qui se contentent d'écouter la loi, mais ceux qui obéissent à ce qu'elle ordonne. Donc vous voyez, on ne parle pas de la loi mosaïque dans le sens, je disais tout à l'heure, cérémonielle. Nous parlons effectivement de la loi morale, la loi de Dieu, les 10 commandements. Hein? Donc, et ça va beaucoup plus loin, nous allons le voir tout à l'heure, hein? Beaucoup plus loin que ça. Donc voilà, ça c'est un fait. Et nous allons prendre 2 Corinthiens chapitre 3, 2 Corinthiens au chapitre 3, et je lis à partir du verset 1 jusqu'au verset 7. Ces mots signifient-ils que nous recommençons à nous vanter? Ou aurions-nous besoin, comme certains, oui, c'est ça, chapitre 3, verset 1. Ou aurions-nous besoin, comme certains, de vous présenter des lettres de recommandation ou de vous en demander? C'est vous-même qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, et que tout le monde peut connaître et lire. Oui, il est clair que vous êtes une lettre écrite par le Christ et transmise pour nous. Elle est écrite non pas avec de l'encre, mais avec l'Esprit de Dieu vivant. Elle est gravée non pas sur les tablettes de pierre, mais dans les cœurs humains. Alors vous allez me dire, oh, t'as plus besoin d'obéir à la loi de Dieu, hein, aux 10 commandements. Je continue. Nous affirmons cela en raison de la confiance que nous avons en Dieu par le Christ. En effet, nous ne pouvons prétendre en aucune façon d'être capables d'accomplir une telle œuvre par nous-mêmes. Ce que nous sommes capables de faire vient de Dieu. Oui, car c'est lui qui nous a rendus capables d'être serviteurs de la nouvelle alliance qui ne dépend pas d'une loi écrite, mais de l'Esprit Saint. La loi écrite fait mourir, mais l'Esprit donne la vie. Voilà, mais l'Esprit donne la vie. La loi dévoilait le péché et la condamnation, hein? Et la lettre qui vivifie, en fait, c'est l'esprit qui vivifie, et l'esprit qui vivifie, en fait, c'est par rapport à la nouvelle alliance, hein? Et c'est donc écrit, tous ces commandements sont écrits, hein, pour que nous puissions effectivement obéir à cette loi, mais non pas par nos propres forces, mais par Jésus-Christ de Nazareth. Qui, ouais. C'est ça en fait. Justement. C'est ça. Ça veut dire la loi, on n'arrive pas à l'accomplir. C'est impossible. Parce que par nos propres forces. C'est impossible. Nous avons enfin la loi. Parce que on n'y arrive pas par nous. Impossible. Quelque part, chacun d'entre nous, peut-être, il ne va pas voler, mais bon, il va peut-être mentir ou tuer. Je veux dire, ou commettre l'adultère, ou enfin tout ce qui est prescrit dans la loi, les lois, les 10 commandements. Et donc, il peut pas par ses propres efforts vraiment entièrement accomplir cette loi. Donc la lettre est tue, dans ce sens-là, qu'elle l'amène à la condamnation. Oui. Il va être sous la condamnation. Bien entendu. Il va être sous la culpabilité terrible. Et sous la condamnation de Dieu, forcément. Et par contre, l'Esprit vivifie, ça veut dire qu'enfin, par l'Esprit Saint que Dieu nous a envoyé, donc à travers cet Esprit, il peut nous communiquer cette grâce de pouvoir accomplir cette loi par son Esprit, parce que Jésus l'a accompli.
Et c'est par son esprit qu'on peut se soumettre à cette loi qui est sainte, qui est pure, qui est divine, qui n'a pas changé. Mais c'est l'esprit qui en nous, nous donne la force, hein, la puissance de l'esprit. C'est pourquoi l'esprit vivifie, c'est la vie, ça nous amène à la vie. Pas à la mort, pas à la condamnation, mais à la liberté, voilà, en Christ. Parce que c'est l'esprit qui agit en nous pour nous aider à nous soumettre, en fait, à cette loi qui est divine et qui est sainte. Complètement. Merci Seigneur. Tout à fait, c'est une grâce, c'est ça la grâce, ça, en fait. On parle de la grâce, tout à fait. Voilà. Voilà, et puis ce que je voulais ajouter aussi, c'est que il y a pas mal d'églises, pour citer par exemple les Mormons, hein, pour eux, la parole de Dieu, enfin la Bible, n'est pas suffisante. Mmh. On est bien d'accord. Ils ont rajouté donc le livre des Mormons. Comme la plupart des sectes. Hein, où effectivement, Jéhovah, où Jéhovah, regardes, tout à fait. Ou voilà, tout mouvement. À fait. Bon, après, il y a d'autres mouvements qui mettent plus en avant, on va dire, l'homme. Hein, on parle de hiérarchie. Il y a des mouvements, effectivement, où on parlait de l'Église catholique romaine. Hein, on met le pape, c'est le représentant de Dieu sur terre. Ah oui. Hein, il y a d'autres églises aussi. Le vicaire de Christ. Tout à fait. Il y a d'autres églises aussi où on représente, on va dire, le haut placé, enfin, la tête de l'église, hein, comme étant effectivement le représentant de Christ sur terre. Mmh. Et c'est dramatique. C'est dramatique parce que si effectivement on dit que le pape est le représentant de Christ sur terre, je veux dire, dans ces cas-là, l'église est dirigée par qui? Elle est dirigée par qui? Si on ne laisse pas le Saint-Esprit diriger l'église, si on ne laisse pas Jésus-Christ diriger l'église, parce que c'est Jésus-Christ en fait qui est la tête de l'église, c'est Jésus-Christ qui est. C'est le Saint-Esprit qui est notre conseiller, c'est le Saint-Esprit qui est notre enseignant. Si nous ne laissons pas le Saint-Esprit diriger l'église, alors c'est qui? Ce sera Satan à travers un homme. Tout à fait. Donc voilà. Une œuvre humaine et une œuvre morte. Voilà. Diable. Et c'est l'orgueil. Hein, parce que ça nous fait penser effectivement à tout ce qui a rapport avec la franc-maçonnerie. Hein, quand on ouvre l'ordre mondial, on parle toujours du pyramide, etc. Toujours quelqu'un qui gouverne, voilà, qui est placé, on va dire, à tête du royaume. Hein, L'Antichrist. Hein, et on sait très très bien que c'est une pensée orgueilleuse, hein, celle de vouloir effectivement diriger. Diriger une église, être un dirigeant d'église, je vais me faire comprendre. Lorsque je parle dirigeant d'église, je ne parle pas maintenant, on va dire, des pasteurs, des évêques, etc., qui eux, ont une charge, ils ont une charge, une responsabilité au sein de la communauté pour justement venir en aide à ceux qui sont dans le besoin, hein, pour apporter la nourriture spirituelle. Hein, etc. Hein. Mais à partir du moment où on commence à hiérarchiser une église, où on va dire, bon, allez, il y a le pape, ensuite il y a les évêques, il y a les cardinaux, etc., jusqu'au diacre, il y a un problème, il y a un gros souci. Hein. Voilà. Les ministères qui ont été donnés, les cinq ministères qui ont été donnés dans l'église, c'est pour l'édification commune, c'est pour une édification pour que toute l'assemblée soit édifiée. Voilà. Donc, c'est pas une question d'autorité, on va dire, de manipulation. Hein, c'est pas une autorité, c'est pas le pasteur qui a tous les pouvoirs, hein, qui fait ce qu'il veut. Hein. Non, absolument pas. C'est pas. Mais ça arrive souvent, hein, quand même. Et ça arrive trop souvent. Ça arrive trop souvent. Beaucoup de. Mais c'est aussi. Je veux dire, c'est à double tranchant parce que bon, il y a le côté où le pasteur abuse de sa position de pasteur pour exercer un certain pouvoir sur l'assemblée. Mais il y a aussi l'Assemblée qui accepte aussi de se soumettre, hein, et de laisser le pasteur complètement les diriger parce qu'ils ne veulent pas par eux-mêmes chercher déjà la communion avec Dieu. Ils se reposent beaucoup sur le pasteur, on ne va pas lancer la pierre uniquement au pasteur. Il y a aussi les chrétiens par eux-mêmes parce que chacun a une relation personnelle avec Christ. Bien sûr. C'est justement ça la grâce. C'est qu'avant, le Saint-Esprit, sous la loi, était répandu, était envoyé à certaines personnes, comme les rois ou les prophètes, hein, qui étaient donc des messagers de Dieu, les rois qui étaient les représentants aussi de l'autorité sur le peuple. Mais
Donc, le peuple n'avait pas le Saint-Esprit. Voilà. Mais aujourd'hui, sous la grâce, tout homme, toute femme reçoit le Saint-Esprit, celui qui se convertit, qui naît de nouveau, qui se repent de ses péchés, il reçoit le Saint-Esprit. Il est aussi, on va dire, baptisé par le Saint-Esprit, et ben, il a une relation personnelle avec Christ. Il n'a pas besoin de passer par un homme, il n'a pas besoin de passer par une femme. Il peut recevoir directement une... il peut recevoir de Dieu directement les messages aussi. Amen. S'il rentre en communion avec Dieu, s'il cherche Dieu et sa face, bien Dieu lui parle personnellement. Oui. Donc, ce qui arrive souvent aujourd'hui, de nos jours dans les églises, c'est aussi que les gens ils viennent le dimanche où bon, ils lisent pas la Bible, ils se nourrissent pas de la parole de Dieu, ils cherchent pas Dieu, ils prient pas, ils cherchent pas la communion avec Dieu. Et après, ils viennent à l'église et ils attendent tout du pasteur. Je veux dire, le pasteur doit communiquer le message de Dieu. Et si le pasteur voilà, est un faux pasteur, ou alors un pasteur qui s'est égaré, ou un pasteur qui vit dans le péché, il va leur communiquer un faux message. Hein, complètement. Mais complètement, voilà. C'est ça. Et selon la dimanche des oreilles peut-être de l'assemblée, voilà. Et les gens reçoivent un message qui est faussé, qui est falsifié. Complètement, qui est mélangé avec du mélange et lorsque et mélange charnel complètement et donc les gens ils prennent ça comme une nourriture complètement spirituelle et après ils s'étonnent que et lorsqu'une prophétie ne se réalise pas on dit que Dieu a changé ses plans. Non, c'est faux. Voilà, Dieu ne peut pas changer ses plans. Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dieu n'a pas changé. Dieu ne changera jamais. Dans la parole il est écrit que celui qui annonce une prophétie mais ne se réalise pas, c'est un faux prophète. Voilà. Donc, la parole, elle est claire, elle est nette, elle est précise. Ne faisons pas de sentimentaliste avec... ne commençons pas à aimer les gens pour ce qu'ils sont, etc. Non, nous ne sommes rien, nous sommes tous de la poussière et nous allons tous, un jour, comparaître devant le tribunal du Christ. Mais je veux dire voilà. Que chacun est responsable devant Dieu. Complètement. Je veux dire, il n'y a pas que le pasteur ou donc ceux qui ont un ministère, comme tu dis, docteur et évangéliste, prophète. Tous les chrétiens sont responsables. Je veux dire, tous ceux qui sont nés nouveaux, convertis, ben, parce qu'il n'y a pas de hiérarchie dans l'Église de Christ. Ah, il n'y en a pas. C'est pas comme dans les religions catholiques. Non, c'est une question de fonction. Voilà, pour amener les autres à grandir en Christ, ou à nous exhorter mutuellement, nous encourager mutuellement, et chacun des dons que Dieu a donnés, et on doit aller, en fait, les partager avec les autres. Mais il n'y a pas un qui est au-dessus de supériorité des hiérarchies. Ah non, absolument pas. Quoi que ce soit. Donc, chaque chrétien est responsable devant Dieu et devant ses frères et ses sœurs. Et donc, il est responsable dans le sens qu'il doit lui aussi scruter les Écritures. Alléluia. Étudier la parole. Alléluia. Chercher la face de Dieu, prier. Avoir une communion personnelle avec Christ. Ok, on peut juste prendre... Voilà. Alors, c'est important. Mais complètement. C'est important. On va juste prendre Colossiens. Alors, Colossiens 1, 18. Vous pouvez déjà. Je vais faire la lecture. Colossiens 1, 18. J'y arrive. Ok. Voilà. Il est la tête, Jésus-Christ. Oui. Il est la tête du corps que constitue l'Église. C'est en lui, et pas dans le pape, et pas en William Branham. Ou d'autres. Ou d'autres... De nombreux gourous. De nombreux gourous. On va prendre Actes 17, 11. Donc, c'est juste pour vous dire qu'il est important... Acte. Tout à l'heure, tu disais que la Bible, c'est la parole de Dieu, hein, et qu'il est important de la scruter. Hein. Alors, 17, 11. Où il est dit, ceci... avaient de meilleurs sentiments que les Juifs de Thessalonique, ils reçurent la parole de Dieu avec beaucoup de bonne volonté. Chaque jour, ils étudiaient les Écritures pour voir si ce que Paul disait était exact. Chaque jour, ils étudiaient les Écritures. Voilà. Nous devons étudier les Écritures. C'est très important. Jésus-Christ lui-même, pour se défendre, hein, lorsqu'il était tenté dans le désert, il citait toujours, il est écrit. Nous devons connaître les Écritures, frères et sœurs. C'est important de connaître les Écritures. C'est très important. Sinon, on va à la dérive.
On écoute n'importe qui et c'est dangereux. On n'a pas le discernement. On n'a pas le discernement. C'est dangereux. On n'a pas la connaissance et on peut se laisser berner, séduire par un beau discoureur, un prédicateur qui sait manier la parole et puis en même temps qui introduit des faussetés, quoi. Mm-hmm. Des hérésies. Complètement, complètement. Subtilement. Oui. Et si l'assemblée n'a pas le discernement, si le chrétien écoute vraiment sans discernement, et ben, il va se laisser dévier de la vérité. Complètement. C'est ça. Et c'est pourquoi on a vraiment besoin, chaque jour, de scruter les Écritures. Voilà. C'est très important. Tout à fait. Très, très important. Alors, on va encore dans 2 Timothée, chapitre 3, mm-hmm. au verset 15. De Timothée, chapitre 3. Oui, verset 15. 3, verset 15. Oui. Depuis ton enfance, en effet, tu connais les saintes Écritures. Elles peuvent te donner la sagesse qui conduit au salut par la foi en Jésus-Christ. Mm. Hein, je l'écris, je lis. Hein. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner la vérité, refuter l'erreur, corriger les fautes et former une juste manière de vivre. Tout à fait. Voilà. Afin que l'homme de Dieu soit parfaitement préparé et équipé pour accomplir toute œuvre bonne. Mm. Voilà. Ça, c'est la parole de Dieu. C'est la Bible. Ouais. Voilà. C'est pas un livre que nous devons mettre de côté ou... Mais d'ailleurs, il faut quand même préciser que tout au long de l'histoire, on a toujours eu tendance à, enfin c'est le diable c'est derrière qui a tendance à ce que les hommes se détournent de la parole de l'Écriture, à ce qu'ils ne scrutent pas l'Écriture, à ce qu'ils ne lisent pas la Bible, même dans certains pays on a même persécuté les chrétiens et brûlé la Bible, dans certains pays on interdit même la Bible, je veux dire voilà, donc c'est à quel point c'est important de connaître la parole de Dieu, la Bible, et d'ailleurs on est vraiment à la fin des temps. Et ce qui se passe, c'est que la situation s'empire de plus en plus. Les hommes, maintenant, ne supporteront même plus la saine doctrine. Ils vont rechercher des docteurs selon la démangeaison de leurs oreilles qui vont leur apporter des messages qui leur plaient pour leur chair. Complètement. Surtout pour leur chair. Et ils ne supporteront plus cette foi apostolique d'origine qui les amenait, qui les poussait à se séparer du péché et à se repentir et à chercher la face de Dieu, et se séparer des injustes, ceux qui pratiquent encore le péché, et demander à sortir du milieu d'eux, à sortir du monde, pas à sortir du monde, mais à se garder pur du monde. Complètement. Voilà. Parce que maintenant, beaucoup de chrétiens sont très mondains, et d'ailleurs, de plus en plus, ils veulent imiter le monde, même dans la musique, dans le chant, même dans les enseignements, je veux dire, ils veulent être comme les gens du monde. Ils amènent des choses du monde, ils l'amènent dans l'église, exactement. Et ils font croire que, voilà, Christ, il fait avec, Dieu, il est avec tout ça, c'est faux. Complètement. C'est faux, c'est trompeur. Complètement. C'est là, le New Age, le nouveau Jésus, le Jésus... Complètement. Bon, ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'avant le 4e siècle, les gens se retrouvaient dans les maisons, même à l'extérieur. Ils célébraient les cultes partout, ils avaient l'occasion de le faire. Il faut savoir qu'ils étaient aussi persécutés. Ils ont aussi vécu ils ont été persécutés sous Néron, je crois. C'était une grave persécution. Donc, il y aura un moment ou un autre où il y aura toujours un homme qui est au pouvoir, qui va être aspiré par Satan et qui va se déchaîner contre les chrétiens, et donc qui va les persécuter. Et si là, on n'est pas vraiment enraciné dans la parole de Dieu, et le Saint-Esprit en nous, on risquerait de chuter ou de renier. Bien sûr. Parce que certains ont même demandé à renier Christ. Bien sûr. Donc il faut vraiment s'attacher à la parole, à Jésus-Christ. Voilà. Être rempli du Saint-Esprit, et c'est très important. Très, très important. Alors, on va poursuivre ce partage. Et j'aimerais bien que nous puissions traiter 3 choses très importantes, je crois, qui sont primordiales dans la connaissance de Dieu. Mmh. Je crois que si effectivement, si on ne lit plus la Bible, alors on enseigne n'importe quoi, même s'il y a des guérisons, il peut y avoir des guérisons miraculeuses. Tout à fait.
fait. Ça ne prouve pas que l'enseignement est juste. Non. Ça, c'est clair. En mon nom, j'asperge les démons, etc. Exactement. Hein, voilà, je ne vous connais pas, vous découvrez des iniquités. Exactement. C'est écrit dans la Bible. Jésus, voilà, parlait. Voilà, donc. C'est pas une preuve. Voilà, non. Il y a trois éléments majeurs, on va dire, indispensables, hein, pour pouvoir effectivement connaître Dieu. On parle théologie, hein, connaître Dieu. Mmh. C'est la sainteté de Dieu. Oui, la sainteté de Dieu, c'est la crainte de Dieu, hein, la justice de Dieu, la grâce. Mmh. Voilà. Donc, si on peut parler un petit peu de la sainteté de Dieu. Aujourd'hui, c'est vrai que les églises ne vivent plus dans la sainteté de Dieu. Les églises, une bonne majorité des églises ne veulent plus vivre dans la sainteté de Dieu. Hein, Dieu est amour, oui. Dieu est amour, oui. Dieu est amour, mais Dieu est aussi saint. Alors, nous allons, pour cela, tourner dans 1 Pierre. Alors, 1 Pierre, au chapitre 1, verset 14. 1 Pierre, verset 1, chapitre 14. Chapitre 1, verset 14. Alors, voilà. La sainteté est toujours liée à l'obéissance. Tout à fait. Ça va ensemble. Obéissez à Dieu, hein, et ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez autrefois, quand vous étiez encore ignorant. Mais soyez saints dans toute votre conduite. Tout comme Dieu qui vous a appelé est saint. Mais c'est un commandement. Voilà, ça c'est la parole de Dieu. Hein, les commandements, les 10 commandements de Moïse, hein, on y est là. Hein, c'est la loi qui est accomplie en Jésus-Christ de Nazareth. Parce que Jésus-Christ aujourd'hui, il vit dans les cœurs. Hein, à l'époque, on avait le tabernacle, le temple. Mais aujourd'hui, Christ, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc l'Esprit de Dieu habite en nous. Donc à plus forte raison devons-nous être saints. Exactement. À plus forte raison si nous sommes le saint, si nous sommes le saint de Dieu, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit habite en nous, nous sommes le temple. Dieu lui-même habite en nous. À plus forte raison, nous devons rejeter l'impureté, nous devons rejeter tout ce qui est l'immoralité, etc. Tout ce qui n'est pas dans la sainteté, le mensonge, le etc. Voilà. Donc, il faut passer par la repentance, il faut se repentir, et ne plus pratiquer le péché. Voilà, c'est ça la parole de Dieu. Parce que si nous continuons à pécher, eh ben, nous ne serons pas sauvés. Même si nous disons que j'appartiens à telle église, je suis même évangéliste dans l'église, je suis apôtre, je suis machin, etc., ou prêtre, j'en sais rien. Hein, c'est une évidence. Si nous ne respectons pas la parole de Dieu, nous ne serons pas sauvés. La parole le dit. Si nous obéissons pas, il a été écrit dans la parole de Dieu, hein, voilà, qu'il faut croire en Jésus-Christ. Alors tous ceux à l'extérieur, il y en a plein qui disent je crois en Jésus-Christ, mais qui vivent dans le péché, mais ils ne seront pas sauvés parce que les démons aussi croient que Jésus-Christ existe et ils tremblent. Jean-Jacques, hein, on est d'accord. Bon, voilà, je continue la lecture, verset 17. Dans vos prières, vous donnez le nom de Père à Dieu qui juge tous les hommes de façon impartiale. Selon ce que chacun a fait, c'est pourquoi durant le temps qu'il vous reste à passer sur la terre, montrez votre conduite, le respect que vous avez pour lui. Pour Dieu, pas pour les hommes. Hein? Dans Galates, il est écrit, il y a un dit, je crois, hein, que nous ne devons pas plaire aux hommes, nous devons plaire à Dieu. Sinon, nous ne pouvons pas être des serviteurs de Dieu. Verset 18, je poursuis. Vous savez en effet à quel prix vous avez été délivrés de l'inutile manière de vivre, hein, que vos ancêtres vous avaient transmise. Ce ne fut pas au moyen d'objets qui perdent leur valeur comme l'or ou l'argent. Non, vous avez été délivrés par le sacrifice précieux de Christ qui a été comme un agneau sans défaut et sans tache. Voilà. Donc, si Christ habite en nous, nous devons ne pas... ne pas se conformer à ce monde-ci. Et nous détourner des mauvaises voies. Nous détourner des mauvaises voies. Hein? Et accomplir la volonté de Dieu. Accomplir la volonté de Dieu. Exactement. Exactement. C'est ça. Exactement. Voilà. Donc. Parce que si Dieu nous a appelés à son royaume, oui, il nous a mis à part et nous a sortis de ce monde. Même si on est encore dans ce monde, mais on ne fait plus partie de ce monde. Oui, tout à fait. D'ailleurs, il disait que notre patrie est céleste. Mm-hmm. Nous sommes des voyageurs et des pèlerins sur cette terre. Amen.
Voilà, notre but est céleste, il n'est pas terrestre. Donc tous ces chrétiens, hein, surtout les chrétiens, qui prêchent l'évangile de prospérité, voilà, il faut absolument être riche, pour être, on est béni par Dieu parce qu'on est riche sur la terre. Ça c'est aussi encore une faux évangile. Hein. Non, c'est récemment David, etc. Oui, voilà, que les gens ils veulent déjà vivre dans le confort extrême sur cette terre. Alors, comment se dit qu'à l'opposé, il y a des chrétiens qui sont persécutés, et qui n'ont rien, qui sont pauvres, misérables, qui sont torturés. Il y a quand même un tel contraste entre ces deux extrêmes-là, entre ceux qui sont excessivement riches, tous ces chrétiens, hein, comme certains en Amérique, je ne veux pas les nommer. Non, oui, oui, on le sait, tout le monde le sait. Augustine, voilà, par exemple, Bénin, ou peu importe. Et je veux dire, qui sont très très riches, qui ont des méga church. Et qui vivent dans le luxe et dans l'abondance extrême. Hein. D'ailleurs, il y a les francs-maçons, je crois, Austin. Donc, voilà, c'est tellement trompeur, tout ça. Alors, ne vous fiez pas aux apparences. Et surtout, aussi, moi, je voudrais vraiment avertir un petit peu le peuple de Dieu qu'il fasse très attention sur Internet. Il y a un peu de tout, il y a du boire et du manger, il y a un peu de tout, là, il y a du mélange. Et on a trop tendance aujourd'hui à superviser toutes ces vidéos et de croire que... Que tous ces gens-là sont très hautement spirituels parce qu'ils ont une belle apparence, parce qu'ils prêchent bien. Faites attention, vérifiez quand même dans la parole tout ça et priez, cherchez surtout Dieu et demandez à Dieu qu'il vous garde des fausses doctrines et des faux pasteurs, des faux prophètes, des faux évangélistes, enfin de tout. Parce qu'il y a tellement de choses qui se propagent partout. On ne sait plus, il y a tellement de confusion aussi parmi les chrétiens, hein, tous ceux qui enseignent hein, sur Internet, les uns ils disent ceci, les autres cela. Et si là on n'est vraiment pas affermi en Christ et dans la parole, eh ben c'est, on est ballotté à tout vent de doctrine, c'est ça ce que ça veut dire. Ne soyez pas des petits-enfants, mais soyez des hommes faits, des femmes faits, des adultes en Christ, pour ne plus être ballotté à droite et à gauche par tout vent de doctrine. C'est très important. Oui. Et surtout, et même superficiel, parce que je dis bien superficiel, parce qu'il y a des on traite toujours les mêmes sujets. Oui. Est-ce que Jésus est Dieu le Père? Est-ce que Jésus-Christ est le Fils uniquement? Bon, non, moi je veux dire quelque chose, c'est simple, c'est très simple. Tournez-vous vers Dieu et marchez dans la sainteté. Accomplissez la volonté du Père, accomplissez la volonté de Jésus-Christ de Nazareth. Hein, faites ce que la Bible vous demande de faire, sanctifiez-vous, passez du temps dans la prière, passez du temps, quelque chose que j'ai beaucoup de mal à faire, à jeûner, parce que j'aime bien manger, mais bon, mais c'est biblique, il faut que je jeûne, voilà, donc passez du temps avec le Seigneur, passez du temps à étudier la parole, etc. Voilà, et vous ne posez plus ces questions. Voilà, ça c'est clair, net et précis. Et oubliez, de temps en temps, Internet, passez plus de temps avec Dieu parce que c'est du temps perdu. En plus de ça, c'est du virtuel. Quoi. Oui, c'est du virtuel. C'est-à-dire, c'est bien, de temps en temps, d'écouter un message. Oui, mais il faut cibler. Voilà, il faut avoir un discernement. Hein. Il faut complètement. Avoir un discernement. Et puis bon, passer trop de temps sur Internet, alors on perd sa vie. Quelque part, on perd... la communion avec Dieu, parce que c'est pas parce qu'on écoute des messages, bon, nous on en transmet aussi là, mais nous le message qu'on vous transmet c'est de vous encourager justement à vous tourner vers Christ et à chercher sa face et à prier, passer du temps avec le Seigneur, cherchez-le de tout votre cœur, de toute votre âme, de toutes vos forces et lisez la Bible et priez, voilà, passer du temps avec Dieu, c'est très important. Tu l'aimes entendu. Voilà, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, et ton prochain comme toi. Avant tout le reste. Avant tout le reste. C'est le plus important. Oui. C'est la source, c'est vital. Et aucun homme, aucune femme ne vous sauvera. Aucun. Même nous, on ne peut pas vous sauver. C'est Christ qui vous sauve. Et il faut avoir une relation personnelle, il faut naître de nouveau. Il faut naître d'en haut, il faut avoir le Saint-Esprit, voilà, il faut vraiment passer par cette nouvelle naissance. Amen. Il faut rencontrer Jésus-Christ dans sa vie. Et ensuite, par le Saint-Esprit, se laisser conduire par lui. Et lui obéir avant toute chose. Et se détourner de tout péché.
Voilà, de ne plus chercher des excuses pour le péché aussi, parce que nos jours, parce qu'on est sous la grâce, on excuse même le péché, non, on n'est pas, on joue pas avec Dieu. Hein, parce que Paul l'a même dit, quoi, pécherions-nous encore parce que nous sommes sous la grâce? Non. Mmh. Voilà, ne profitons pas de cette grâce pour irriter le cœur de Dieu. Parce que Dieu, bien sûr, il nous aime, mais il veut aussi qu'on soit dans l'obéissance et pour qu'il soit m'en faire sa joie. Ça veut dire, comme Jésus, comme Dieu l'a dit lui-même, voici mon fils en qui j'ai mis toute ma joie. Ben, c'est Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ a obéi en toute chose, il a obéi au Père. Alors, plus forte raison. Et donc, nous. Et voilà, il a fait sa joie. Et nous aussi, nous sommes appelés à être à la ressemblance de Christ. Voilà. Donc, nous sommes appelés à aussi faire la joie du Père. Et donc, dans ce sens, c'est d'être dans cette liberté, parce que c'est ça la grâce. C'est la liberté de vouloir marcher avec Dieu. Quand j'aime quelqu'un, j'ai envie de lui faire plaisir. Parce que je l'aime et qu'il m'aime, il y a une réciprocité, il y a un amour qui se partage. Parce que Dieu est amour dans ce sens-là, oui, nous avons une relation d'amour. Donc j'ai envie de faire plaisir, tu as envie de me faire plaisir, et dans ce sens, on partage. Et donc c'est dans la liberté que je vais renoncer à certaines choses, à mes propres désirs, ou voilà, pour ne pas contrarier mon mari, passer plus de temps avec toi, dans le sens, parce que nous nous aimons, d'être dans une joie, d'être avec l'autre et de partager plutôt que de courir dehors, faire les magasins ou que sais-je, voilà, je dis n'importe quoi, mais je veux dire, ne plus être égoïste. Voilà. Tourner vers soi, le moi, voilà, et pas mettre la chair en avant, mais l'esprit. Voilà. Complètement. Parce que c'est dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible, mais nous devons faire mourir les œuvres de la chair. Alléluia, Romain, lisez Romain. Pour que justement, lisez Romain. On marche par le Saint-Esprit. Amen. Pour accomplir l'œuvre de Dieu et plaire à Dieu. Alléluia. Et non pas plaire aux hommes ou à sa propre chair, mais plaire à Dieu avant toute chose. Et ça demande un renoncement à soi. Complètement. Ça demande à mourir à nous-mêmes. Ça demande à crucifier notre vieille nature, notre vieux moi. Hein. Parce que c'est ça le combat qu'on a aussi. Le combat, il est là. C'est que cette vieille nature, elle veut parfois se révéler, mais elle doit être clouée à la croix. C'est pour ça que Jésus l'a pris, cette vieille nature sur lui, notre état de péché. Il l'a pris pour nous libérer. C'est pour ça qu'il est venu comme un sauveur. Pour nous délivrer de nos péchés, nous délivrer, libérer les captifs, les prisonniers, guérir les malades, chasser les démons. C'est le principe du baptême. Tout à fait. Donc, lorsqu'on parle du baptême par aspersion, par aspersion, l'Église catholique et d'autres confessions, par aspersion, et puis un enfant qui n'a pas encore, la conscience, un bébé, mais comment peut-il comprendre le baptême? C'est quoi le baptême? Si vous n'avez pas expérimenté le baptême, vous ne pouvez même pas dire que vous êtes sauvé. Parce que le baptême, c'est renoncer aux œuvres de ténèbres. C'est-à-dire, c'est plonger dans l'eau, donc plonger avec Jésus-Christ. Voilà, clouer sur la croix, renoncer aux œuvres mortes. Et ensuite, ressusciter avec Jésus-Christ de Nazareth pour commencer une vie nouvelle. Voilà, ça c'est le baptême. Et à partir de là, on est sorti, gloire au Seigneur, on est baptisé. C'est important le baptême. Et à ce moment-là, on est conscient déjà le fait qu'on a été baptisé en Jésus-Christ. Non pas que ce sont les parents qui ont pris la décision de baptiser l'enfant, il faut arrêter. C'est un engagement personnel. Le baptême est un engagement personnel. Je veux me faire baptiser parce que je veux marcher avec Jésus et parce que je l'aime. Alors je veux me faire baptiser par immersion, c'est-à-dire le baptême biblique. Voilà. Donc il est important de baptiser d'eau, d'une façon biblique. Voilà, Jean-Baptiste nous a donné l'exemple, Jésus-Christ nous a donné l'exemple, et dans Actes, nous voyons beaucoup d'exemples, ils ont tous été baptisés, plongés, immergés dans l'eau. D'accord ? Mort, justement, à cette nature pécheresse, cette nature, du péché, tout simplement. Et ressuscité. En Jésus-Christ de Nazareth.
Et alors, après, baptiser du Saint-Esprit. Aussi. Et baptiser aussi du Saint-Esprit. Alors, il y en a qui sont pour, d'autres non. Alors, il y en a qui disent qu'effectivement, le baptême du Saint-Esprit, c'est au moment effectivement, où on accepte Jésus-Christ dans notre cœur. Alors, c'est pas forcément qu'on parle, c'est pas avec l'évidence, on parle en d'autres langues, d'autres d'ici, on parle d'autres langues. Bon, ça c'est après un point de vue, bon, on sait pas vraiment, hein, on sait pas. Bon, voilà. Donc là, j'ai pas envie de rentrer dans les détails, c'est pas important, c'est pas très important. Voilà. Ce qui est important, c'est de mourir sur la croix avec Jésus-Christ. D'être crucifié avec Jésus-Christ sur la croix. Voilà, c'est ça la grâce. La grâce, c'est justement ça. La grâce, c'est ça, en fait. C'est de mourir sur la croix. C'est-à-dire que Jésus est mort pour nous sur la croix. Oui, mais c'est de mourir avec lui aussi. Oui, c'est d'accepter. On n'a pas le choix. D'être dépouillé. Mais complètement. De notre vieille nature, complètement. Voilà. C'est en acceptant, mais comment? Pas par nos propres forces, mais par la grâce, dans le sens que c'est Jésus, le Saint-Esprit, qui agit en nous pour nous délivrer. C'est lui qui nous donne la force de résister à Satan, mal, et de marcher dans ses voies, dans l'obéissance. Tu veux juste prendre 2 Timothée, oui. Chapitre 2, verset 19, lire dans ta version à toi. Moi, je lis dans la version français courant, et là, j'aimerais bien qu'on lise dans la version Louis II de 1910. 2 Timothée, chapitre 2, verset 19. Alors, attends, je le trouve. Voilà. Voilà, 2 Timothée, chapitre 2, verset 19. Oui. Alors, verset 19. Écoutez bien. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Tout à fait. Voilà, répète la fin. Tous ceux. Quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Voilà. Voilà. Donc, ce qui veut dire en clair qu'on doit arrêter de pécher. Alléluia. Et se détourner de nos mauvaises voies. Ben, sinon, on n'est pas sauvé. Sinon, on n'est pas sauvé. Si on ment constamment, si on pêche constamment, et ben, si on sait pertinemment. Si on sait que j'ai des faiblesses au niveau du mensonge, que j'ai des faiblesses au niveau de ci, de cela, de cela, eh bien, il faut se repentir. Ben oui. Et il faut abandonner le péché. Il faut crier à Dieu. Hein, Jésus-Christ n'avait-il pas dit à la pécheresse, va et ne pêche plus. À la prostituée, va et ne pêche plus. Voilà. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Hein, et nous devons ne plus pécher. Ouais, hein, car celui qui pêche est du diable. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est écrit dans la Bible. C'est la parole. C'est la parole de Dieu qui le dit. Exactement. Voilà. Maintenant, nous allons prendre Colossiens 3, 5. Colossiens 3, 5. C'est à cause de telle faute que la colère de Dieu va frapper ceux qui refusent de lui obéir. Donc, l'obéissance est importante. Si par exemple, la cigarette. Je donne l'exemple de la cigarette. Quelqu'un qui fume, il absorbe de la nicotine, c'est du poison. Hein, il n'est pas écrit dans la parole, il n'est pas écrit dans la Bible qu'il faut arrêter de fumer ou arrêter de se droguer. Hein, on ne parle pas de drogue, mais on sait que ce n'est pas la volonté de Dieu. On sait que c'est quelque chose qui vient des ténèbres. Bien sûr. Hein, la nicotine, ça tue, c'est... Voilà. Donc, si vous continuez à fumer, vous péchez. Et à chaque fois que vous péchez, vous prenez une cigarette, vous péchez. Pourquoi? Parce que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Parce qu'on attriste le Saint-Esprit. On attriste le Saint-Esprit. Je suis désolée, mais je peux te... Est-ce que tu peux donner un témoignage concernant justement un fait qui t'est à toi arrivé ouais. Pour montrer à quel point Dieu est saint? Il y a très jeune, enfin, quand j'étais... Parle bien fort. Quand j'étais un peu plus jeune. Oui. Mais donc, j'avais témoigné d'ailleurs que j'ai vu le bras de Dieu. Hein. Amen. Donc c'était une...